Nous sommes ici au mémorial de la Shoah à Paris, juste à côté du mur des Justes. Et sur ce mur, parmi toutes les personnes qui ont aidé les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, qui sont inscrites, se trouve le nom d'une moniale orthodoxe. Elisabeth Skopsov, Mère Marie. Qui était cette moniale orthodoxe? Quelle a été sa vie? Ce fut une forte personnalité qui a laissé son existence dans la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, nous allons partir à la découverte de cette grande figure. Ce que j'aime beaucoup chez Mère Marie, c'est qu'elle est complètement hors norme. Ni moniale parce que socialiste révolutionnaire, ni socialiste révolutionnaire parce que moniale, mariée deux fois, fumant des cigarettes, très libre dans ses propos, lumineuse, magnifiquement humaine, extraordinairement femme. Là, on a affaire à un souffle, une liberté, un non-conformisme absolu qui n'est pas de l'ordre de la révolte banale, mais qui est vraiment l'expression, la manifestation d'une femme qui est habitée par le souffle de l'esprit. Au camp de Ravensbrück, Mère Marie est à la fois un personnage fort, qui se tient droit, debout, qui ne courbe pas la tête. C'est un personnage qui rassemble autour d'elle, évidemment clandestinement, puisque même se rassembler pour pouvoir parler était interdit et passible de mort. Donc, avec main de précaution, je pense qu'il y avait des résistantes déportées qui faisaient le guet pour protéger le rassemblement. Elle faisait des conférences sur la poésie russe, sur sa foi. Le fait de pouvoir échanger dans cet univers sauvage, barbare, brutal, se rappeler des vers d'Alexandre Bloch, d'Akhmatova ou de ses propres vers qu'elle pouvait dire, partager des sentiments autour d'une foi ou autour d'idéaux sociaux. Tout cela, c'était continuer à maintenir sa propre humanité et ne pas devenir simplement ce que les gardiens des camps et les dirigeants des camps voulaient, des objets, des numéros. Mère Marie disait « Je ne veux pas être un souvenir, je serai un appel ». Et dans ce monde où tout nous appelle au désespoir, elle est celle qui dit que non, nous avons déjà de bonnes raisons d'espérer, parce que si nous faisons la route avec Dieu, nous sommes déjà sur le bon chemin. Elle vivait une époque où le scandale des camps de concentration, le scandale de la guerre, le scandale des exils, elle a vécu ça. Comme aujourd'hui, nous pouvons vivre le scandale des personnes qui fuient la Syrie, l'Iran et l'Ukraine aujourd'hui. La situation se répète, donc son appel est d'actualité, partout et auprès de tous.